En France, la nouvelle législation antiterroriste entre en vigueur mercredi, remplaçant 2 années d'état d'urgence. La nouvelle loi donne à la police des pouvoirs étendus pour réaliser des perquisitions, conduire des écoutes électroniques et fermer des mosquées ou d'autres endroits suspectés de prêcher la haine. Cette mesure transpose en droit certaines mesures comprises dans l'état d'urgence. Les opposants à la loi disent qu'elle affaiblit les libertés civiles. Les autorités françaises ont déclaré l'état d'urgence en novembre 2015 après qu'un groupe de terroristes islamistes avait tué 130 personnes lors d'une attaque coordonnée dans Paris.